Mesdames, messieurs, veuillez maintenant applaudir bien fort les deux équipes finalistes. Et veuillez maintenant applaudir Madame Dana Salama, présidente de la Fédération française de débat et d'éloquence. L'éloquence est barbante. L'éloquence est pédante. L'éloquence est bourgeoise. Camarades, bienvenue. Il y avait sans doute un peu de ça lorsque chacun d'entre vous a frappé à la porte d'une formation pour la première fois, s'est assis sur un siège, il faut le dire, inconfortable lors d'une permanence, a trouvé sa place au sein d'une de nos associations. Un peu d'envie, une pincée de jalousie. Et c'est vrai, un léger appétit pour les paillettes. Ce ne sont pas les seules choses que vous avez trouvées dans ces salles de TD, dans ces amphithéâtres bondés, et même, apparemment, au siège du Parti communiste. Vous y avez rencontré vos pères, plus âgés, plus expérimentés, meilleurs, prêts à vous inculquer de manière plus ou moins violente ces grands principes anciens. Comment parler? Comment articuler? Moduler sa voix? Comment se tenir, comment convaincre, et pour certains, la dernière leçon non maîtrisée, comment nouer une cravate. Cette formation a été le premier passage de témoin, la première transmission, les premiers secrets qui vous ont été confiés, votre premier pas dans l'apprentissage de cet exercice un peu pervers, comment convaincre, sans toujours être convaincu. Une fois entraînés, vos maîtres, devenus vos camarades, vous ont emmenés affronter d'autres équipes, arrachant certaines victoires non méritées et goûtant à l'amertume des défaites. Ces défaites qui nous construisent et qui, parfois, vous ont honorés. La défaite est certes amère, mais elle ne rend que l'accomplissement plus beau que la victoire finale, qui sera l'une des vôtres plus glorieuses. Je vous prie donc de saluer avec moi chacune des associations de la Fédération tombées dans la quête du titre de champion de France. À chaque étape passée, les liens vous liant à vos équipiers se tissaient d'un fil doré, digne des plus grands mythes, des plus belles histoires d'amitié. Il y a eu des rebondissements, des qualifications sur le fil du rasoir, des trahisons. Il y a eu pour les deux équipes prétendant aujourd'hui au titre de champion de France des moments de grâce, mais surtout quelques moments de faiblesse. Au gouvernement ce soir, révolte-toi Assas. Membre historique de notre fédération, déjà championne de France en 2016, la rugissante Assas connaît lors de l'édition passée, il faut le dire, une chute catastrophique. Dès les premiers tours, défaite, défaite, défaite. Elle revient cette année tonitruante, tout cross-sorti et aligne un parcours, il faut le dire aussi, des plus honorables. L'association remporte un succès flamboyant, est invaincue, comme son adversaire, et ne concède sur l'ensemble de l'année que 3 points. Révolte-toi Assas se présente ce soir pour sa 3e finale, pour l'inespéré retour parmi les grands, et espère ajouter une étoile à son blason. Mesdames et messieurs, révolte-toi Assas. Comment évoquer l'opposition? Comment évoquer haut les mots sans évoquer la géniale, l'incroyable épopée que fut leur première participation au championnat?
Les nouveaux arrivants arrachent alors chacun de leurs matchs sur leur passage, ils emportent tout, font tomber en poule le tenant du titre et semblent bien lancés pour décrocher leur premier sacre. C'est douloureux, mais il faut en parler. Ils tombent, cependant, en demi-finale. Après une année qu'on ne peut dire que blanche, tout semble leur sourire cette année. Olémo remporte tout, chaque match, chaque concours, le prix Mirabeau, tout leur sourit. Plus qu'un premier sacre, c'est une véritable revanche que vient conquérir ici l'association bordelaise. Je vous prie d'accueillir, avec autant de bruit, les orateurs d'Olémo. Dans cette longue quête, ces 8 mois au rythme effréné, vous avez tous appris à maîtriser logos, ethos, pathos, du moins en théorie. Vous avez appris à épouser une position qui n'était pas la vôtre, qui n'était ancrée dans aucune de vos valeurs, le temps d'un débat. Le championnat vous a enseigné cette pratique des plus douloureuses, celle de contorsionner sa pensée jusqu'à réfléchir contre elle-même. Car savoir faire croire ce à quoi on ne croit pas, c'est questionner, bousculer et consolider ses croyances à soi, ses pensées pour soi-même, se penser soi-même. Le débat parlementaire vous a appris finalement à utiliser correctement votre temps de cerveau disponible, celui des autres aussi, pour les convaincre, les persuader, les faire basculer de votre côté, mais le vôtre surtout, à l'utiliser, le garder, le protéger des attaques extérieures. Dans un monde où les activités sans mémoire arrangent, vous avez tenté de faire preuve de pensée complexe. Vous avez appris à tout dire sans le penser, sans que cela ne soit en vérité le bout du chemin. Car non, rien de tout cela n'est une finalité. Les lauriers, qui couronneront bientôt une de vos deux équipes, faneront, je suis désolée de vous le dire. Les applaudissements qui vous envelopperont ce soir ne seront bientôt plus qu'un léger tintement dans vos souvenirs. Les défaites, elles aussi, c'est promis, disparaîtront. Il vous restera le reste. Dépassant la mémoire des tremblements dans l'attente, des cris de la victoire, des sourires réconfortants dans les défaites, estompé dans le souvenir d'avoir appartenu quelques mois, quelques instants, à quelque chose d'un peu plus grand que vous. Le reste donc, pour tout recommencer. Vous ne serez plus bête et lutterez chaque jour contre vous-même, oui, mais aussi contre les pensées étriquées qu'on voudra faire porter à votre jeunesse. Vous vous ferez porteur de ces grands principes porteurs de la poussière des siècles, ces principes vieux, bornes, bourgeois et peut-être même réactionnaires. Mais ils auront perdu tous ces défauts, car ils seront devenus les vôtres et vous permettront d'avancer avec en main une seule qualité, une seule arme, l'art de convaincre. Avec un peu de travail encore, c'est vrai, vous avancerez sans suffisance, sans satisfaction de vous-même, sans jamais vous prétendre ni entièrement affranchi, ni entièrement renseigné. Car demain, vous avancerez éclairé, conscient, prêt enfin à mettre ce que vous savez, ce que vous êtes devenu au service des vraies causes, des véritables moments charnières. Cette fois-ci, pas pour glorifier un moment d'ego, pas pour orner vos réseaux sociaux de congratulations, sans prétendre avoir réinventé la roue, on peut y croire, mais pour ce qui compte vraiment. Alors non. Rien de tout ce que vous avez appris cette année, rien de ce que vous avez vécu, rien de ce que nous avons vécu, dans la solitude, accompagné de camarades, n'est une fin. Chers orateurs, chères oratrices, chères associations, c'est ici que tout commence. Applaudissements maintenant, Monsieur Guillaume Rubio, co-responsable de l'organisation de ce championnat de France. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin. Ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Pardonnons-les, car
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils croient jouer avec les mots, alors que ce sont les mots qui jouent avec eux. Voyez ce doux sourire sur leur visage innocent et suant. Ils ne savent pas ce qui les attend, mais ils veulent le vivre avec envie. Et ils ne sont pas les seuls. Chers orateurs, chères oratrices, chers publics, après de longs mois de débats enflammés, parfois intelligents, souvent, mais toujours passionnés, c'est avec un immense plaisir que nous sommes tous réunis ce soir pour la grande finale du championnat de France de débat parlementaire. C'est donc cette année, sous la coupole de l'espace Némeyer, que nous sommes ici rassemblés grâce au précieux soutien de messieurs le sénateur Pierre Laurent et Pierre Ouzoulias. Je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement l'ensemble du bureau de la Fédération française de débat et d'éloquence qui a fait cette année un travail remarquable pour toujours organiser des événements à la hauteur de notre fédération. Ma co-responsable, Estelle, avec qui j'ai eu l'immense plaisir d'organiser ce championnat pour vous. Et enfin, sa présidente, Dana, qui m'a, une nouvelle fois, renouvelé toute sa confiance, son estime et son amitié pour m'embarquer dans cette folle aventure. Alors, une fois n'est pas coutume, cette année encore, ce sont des centaines d'oratrices et d'orateurs qui ont écumé les routes de France et de Navarre pour tenter d'accéder à la plus haute marche de cette compétition. Et après plus de 8 mois, 62 chocs enlevés, l'heure de l'ultime débat a sonné. Mes remerciements sincères vont à toutes les associations et à leurs adhérents pour l'engagement sans faille et sans qui rien ne serait possible. Pour celles et ceux pour qui le débat parlementaire ne serait qu'un épais brouillard, en voici les contours. 2 équipes de 4 orateurs, une au gouvernement et l'autre à l'opposition, s'affrontent autour d'un sujet de société donné 72 heures à l'avance. Le gouvernement doit défendre un projet de loi que l'opposition s'attache à réfuter. Le Premier ministre présente le projet de loi, puis le chef de l'opposition expose les motifs de désaccord. Les ministres et députés se succèdent ensuite pour débattre du corps du texte avant que le rapporteur du gouvernement et le secrétaire général de l'opposition ne concluent le débat en déconstruisant celle de l'adversaire. Chaque orateur prendra la parole à tour de rôle pour une durée de 5 minutes. Durant la première et la dernière minute du discours, les orateurs ne peuvent être interrompus. Ils ont cependant l'obligation de répondre à une question pendant le reste de leur discours. Ce soir, ce gouvernement interdirait le cumul de la possession de médias avec une autre activité économique ou industrielle. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur d'accueillir un jury d'exception qui sera chargé de juger orateurs et oratrices et de désigner l'équipe gagnante. Le premier juré est plus qu'un habitué de notre fédération. Il en est un véritable ami. Nous ne le présentons plus. Maître Bertrand Perrier est une figure incontournable de l'art oratoire en France. Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ancien 4e secrétaire de la conférence, mais aussi enseignant à Sciences Po et à HEC. Pour cette finale de l'édition 2022 du championnat de France de débat, la FFDE est ravie d'accueillir à nouveau Maître Bertrand Perrier. Notre prochain juré est avocate au barreau de Paris. Elle officie aujourd'hui au sein du cabinet Avrion-Huet et intervient régulièrement en droit de la presse et des médias. Riche de ses diverses expériences dans des cabinets internationaux, Maître Valérie Kasparian maîtrise parfaitement les problématiques abordées. La FFDE se réjouit de pouvoir accueillir Maître Valérie Kasparian dans le jury de cette belle finale. Notre troisième juré est conseiller au sein du Collège de l'ARCOM, garante de la liberté de communication audiovisuelle. Benoît Loutrel est spécialiste de transformation numérique et d'économie de la régulation.
Il est également ancien directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avant de rejoindre le CSA, jusqu'à ce qu'il devienne l'ARCOM après sa fusion avec Hadopi. Son expertise et sa maîtrise du sujet seront précieuses pour mettre en lumière les clés du débat. La FFDE est très heureuse de pouvoir compter sur M. Benoît Loutrel dans ce prestigieux jury. Notre quatrième juré est au journalisme d'investigation ce que Camus est à la littérature française essentielle. Fabrice Arfi enchaîne les expériences et les titres de presse en région lyonnaise avant de s'installer définitivement à Mediapart, à sa création, où il co-dirige le pôle enquête et contribue à révéler de nombreux scandales politico-financiers. Militant, Fabrice Arfi est porte-parole du collectif Informé n'est pas un délit, où il s'engage en faveur d'une presse libre et contre le secret des affaires. C'est un immense honneur pour la FFDE que de pouvoir compter sur l'expérience et le talent de Fabrice Arfi. Enfin, le président du jury n'est autre que Monsieur le sénateur Pierre Laurent. Journaliste et homme politique, il commence sa carrière au sein du quotidien L'Humanité et en devient son rédacteur en chef. Mais journaliste, Pierre Laurent est avant tout un militant très actif. Aujourd'hui vice-président du Sénat, il a d'abord été premier secrétaire du Parti communiste français et a récemment intégré la commission d'enquête sénatoriale « Concentration des médias en France ». Pour cette finale de l'édition 2022 du championnat de France de débat parlementaire, la FFDE est honorée de pouvoir compter sur l'immense expérience du journaliste et de l'homme politique Pierre Laurent pour présider le jury de cette grande finale. Et car toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure pour moi de clore le beau chapitre éloquence qui a rythmé ma vie étudiante pendant 4 années. Je veux ici avoir une tendre pensée pour celles et ceux dont j'ai croisé le chemin, qui m'ont ouvert la voie et avec qui j'ai partagé un petit bout de ce chemin. J'espère modestement avoir été celui-ci pour quelques-uns. Je suis heureux de voir la nouvelle génération qui prendra la relève et certain que l'amour du Verbe a de beaux jours devant lui. Je crois sincèrement que l'éloquence ne vaut la peine d'être vécue que si elle est partagée. Alors ce soir, profitons ensemble de ces derniers moments d'ivresse où vos mots se confondent avec les applaudissements du public. Chers orateurs, chères associations, profitez de chacun de ces instants précieux. Déboîtez une fois encore avec fougue et conviction. Et un dernier conseil avant de vous laisser le pupitre. L'orateur libre et celui qui n'a pas peur d'aller au bout de sa pensée, alors osez, convainquez, pour enfin triompher. Et maintenant, pour introduire ce débat, veuillez accueillir Madame la Première Ministre, Manon Lisée. Qu'entend-on quand on parle de la presse? Les riches, c'est mal. Les gros patrons de presse, c'est des menteurs. Il y a les méchants et il y a les gentils, monsieur Attali. Mais ce soir, je ne me permettrai pas de vous servir ces propos de bistrot. Parce que la réalité, c'est que quoi de plus compréhensible que l'enjeu de la transparence? Chacun de vous sur vos chaises, oui, vous. Que détestez-vous le plus depuis que vous êtes enfant? Qu'on vous mente, qu'on vous trompe, qu'on vous embobine, qu'on vous cache des choses? Aujourd'hui, si l'on monte à la tribune, c'est pour débattre d'un sujet de société. Et c'est pour remettre l'importance de l'information à la place qui lui revient de droit. L'information, ce n'est pas n'importe quel bien. C'est un bien commun. Et le média, ce n'est pas n'importe quelle marque.
Votre savoir vous éclaire, vous élève, développe votre esprit critique, fait de vous l'essence même d'un être humain. Et vous, accepteriez-vous que votre humanité soit résumée à des mensonges biaisés et à des combines intéressées ? Ce gouvernement entend aujourd'hui mettre fin au contrôle avaricieux de l'information et la rendre aux citoyens. Les Français réclament de pouvoir penser par eux-mêmes. Et quoi de plus choquant qu'entendre Xavier Niel, propriétaire du Monde, nous déclarer « Quand les journaux m'emmerdent, j'achète leurs canards et ils me foutent la paix ». Ce soir, nous nous dressons contre le filtrage de la vérité et la censure des journalistes. C'est pourquoi ce gouvernement interdira le cumul de possession d'un média et de toute autre activité économique ou industrielle. On définit par média toute personne morale ou physique qui vit de la recherche ou de la diffusion d'informations. Le cumul de possession sera caractérisé lorsqu'un propriétaire de média possède également plus de 10% des actions d'une activité à but lucratif d'un autre domaine et y exerce un pouvoir de décision. L'immense majorité des médias sont dépendants des milliardaires qui les possèdent. Et à chaque fois que des journalistes enquêtent sur ces manias de la presse, des menaces sont proférées et des personnes sont mystérieusement licenciées. Monsieur le député, je vais prendre votre question. Considérez-vous la simple possession de titres comme une activité économique ? Monsieur, tant qu'il y a de l'argent et que nous avons un pouvoir de décision dans l'entreprise, évidemment qu'il s'agit d'une activité économique. Merci. Pour mettre fin à cette mainmise médiatique, ce gouvernement entend donc interdire purement et simplement le cumul de possession d'un média et d'une autre activité économique ou industrielle. En ce sens, un délai de 2 ans sera accordé aux possesseurs actuels pour vendre leur activité extérieure ou le média qu'ils possèdent. Un contrôle en amont sera exercé sur les nouveaux patrons pour s'assurer qu'ils respectent l'exigence d'indépendance et la liberté du journalisme. Le contrôle en aval sera, lui, toujours exercé par l'ARCOM. Pour soutenir de façon réaliste l'activité médiatique, sera créé un plan de soutien qui visera à aider les nouveaux patrons, les actionnaires ou les associations de lecteurs par une exonération d'impôts et une hausse des subventions. Notre second ministre de l'économie, M. Graff, développera en quoi ces actions vont permettre de mettre fin aux conflits d'intérêts qui empêchent la transmission de l'information et restaurer la transparence qui est si chère à notre démocratie. Avec ce projet, nous resacralisons véritablement l'information. Un organe de contrôle veillera à ce que les nouveaux patrons ne deviennent pas des barons de l'information, mais bien ses serviteurs, et que le pluralisme règne en maître sur la scène médiatique. Ainsi, comme le développera notre troisième ministre délégué aux relations avec la presse, M. Matteo Moro, il sera impossible de posséder plus de 15% de parts du marché médiatique. R100, Hommel, Lagardère, Arnaud, Bolloré, Berger, ils sont 6 aujourd'hui à détenir la quasi-totalité des médias français. Enfin, notre secrétaire général, M. Cherki-Tahar, finira de vous convaincre de la nécessité d'un tel projet, seule porte de salut, pour sauver la liberté de la presse qui nous est si chère. Le service public de l'information, lui, ne sera pas concerné par ce projet de loi, puisqu'entièrement financé par l'État, il n'est pas soumis à des exigences de profit ou d'audience et jouit d'une liberté de diffusion, dans la limite du contrôle classique de l'ARCOM. Cependant, pour éviter toute ingérence, les directions ne seront plus nommées unilatéralement, mais par une décision interne aux rédactions. Alors, chère Assemblée, parce qu'un Bolloré vaut mieux que 2, tu l'auras. Il en est officiellement fini du contrôle intéressé des médias, fini de brimer la liberté des journalistes qui souffrent du licenciement, fini de vous mentir allègrement. Maintenant, sous vos applaudissements tout aussi enthousiastes, Madame la chef de l'opposition, Noa Vaché. «
La une est toute trouvée. Le gouvernement lisait grand sauveur des médias. Mais nous savons lire entre les lignes. Et quelle ligne ! Un gouvernement qui saisirait les enjeux actuels qui menacent le paysage médiatique. Un gouvernement qui agirait frontalement pour sauver les journalistes et la liberté d'expression. Un gouvernement qui pointerait du doigt les capitaines d'industrie qui menacent les médias aujourd'hui et qui les contrôlent. Et pourtant, un gouvernement qui semble avoir vu et entendu, mais qui n'a pas totalement compris, et dont les mesures dangereuses signeront la disparition de tout un pan médiatique essentiel au pluralisme français. Les investisseurs seront forcés de choisir entre leur activité principale et leurs médias. Ils choisiront leur activité principale. Leurs médias vont mourir. Ce projet de loi signe l'arrêt de mort des médias français dans leur grande majorité. Seuls subsisteront ceux qui seront rentables. Il faut se rendre compte du paysage de l'information aujourd'hui en France. Encadré par l'article 10 de la Charte européenne des droits de l'homme et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les médias, instances de création et de diffusion de l'information, font partie d'un secteur colossal de 55 milliards de chiffres d'affaires que vous allez mettre en danger et non sauver avec ce projet de loi. En plus, il existe également les plateformes de diffusion médiatique telles que Facebook ou Twitter, qui sont devenues des vecteurs d'information par leur utilisation et que votre projet de loi nie totalement. Certes, les circonstances sont parfaitement cernées. La quasi-totalité des médias français est détenue par une poignée de milliardaires dont l'influence indéniable cause un pluralisme et une liberté d'expression bloquée. Nos constats sont similaires, nos mesures sont radicalement opposées. Là où le gouvernement souhaiterait nous imposer la spécialisation, c'est-à-dire qu'une personne ne peut exercer qu'une activité, soit industrielle et économique, soit médiatique, nous lui opposons la déconcentration. Par cela, nous entendons qu'une seule et même personne ne peut posséder qu'un seul type de média. Elle devra donc choisir entre presse numérique ou écrite, radio ou télévision. Le principe donc est parfaitement simple. D'abord, interdire le transmédia en réformant la loi Léotard de 1986, qui limite déjà à 30% le nombre de radios que l'on peut posséder et à maximum 49% des parts du marché d'une chaîne télévisée qui représente plus de 8% de l'audimat. Ensuite, interdire l'actionnariat majoritaire des médias dans plusieurs secteurs de communication. C'est par ailleurs ce que vous présentera le député M. Salis, après avoir abordé la question de la viabilité économique du projet de loi qui nous est proposé. Monsieur, je vais prendre votre question. Oui, madame, un sondage précise que les Français n'ont plus confiance en les médias depuis qu'ils sont détenus par des industriels. Que proposez-vous donc ? L'information viable ou l'information pour les riches ? C'est tout à fait compréhensible et cette question est tout à fait intéressante. Mais je pense que je vous répondrai en vous disant que nous sommes tout à fait d'accord sur ce constat. Les médias, on ne peut plus en avoir confiance parce que ce ne sont plus les Français, ce ne sont plus les journalistes qui les détiennent. Ce sont les grands milliardaires, les poignées de milliardaires qui ont la main mise dessus et sur l'influence de l'opinion publique. Et à cela, nous répondons que la déconcentration qui permettra de limiter l'influence de ces milliardaires, l'influence de ces capitaines d'industrie sur l'opinion publique sera beaucoup plus intéressante que la spécialisation lorsque ces mêmes milliardaires pourront agir tout autant sur l'actionnariat de ces entreprises. Puis, en accord avec le rapport sénatorial du 29 mars 2022 concernant la concentration des médias, Monsieur le député Ré démontrera la nécessité d'améliorer l'étanchéité entre activité industrielle et activité médiatique au sein des conseils d'administration, et ce, par le biais d'administrateurs. Ces derniers auront pour mission de protéger les salariés de toute tentative d'influence de la part des actionnaires, de rééquilibrer les rapports de force entre les deux entités. Ce gouvernement est hors sol. Il s'est contenté de feuilleter le carnet de doléances des salariés du secteur médiatique au point de passer à côté du contenu. C'est pourtant écrit en toutes lettres. Les journalistes sont unanimes. Ce n'est pas la spécialisation qu'ils veulent, c'est la déconcentration. Le gouvernement traite ce sujet comme il traiterait un simple sujet économique. C'est pourtant bien plus que cela. Nous parlons de la survie des médias,
Nous parlons des journalistes, mesdames et messieurs du gouvernement, nous parlons de démocratie. Et c'est cette conviction que cette opposition portera avec ferveur. Et nous accueillons maintenant Monsieur Guillaume Graff, ministre de l'Économie. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Voilà le slogan vers lequel la presse devrait tendre. Celui d'un média à part, libre de taper du poing et de disposer de ses informations, et pouvant célébrer ses victoires médiatiques sans boire de vin avec Bolloré. Chère Assemblée, voilà pourquoi notre gouvernement souhaite aujourd'hui interdire le cumul de possession entre médias et activités économiques, afin d'abolir les conflits d'intérêts et de replacer le média au cœur de l'information. J'ai été ravi d'entendre Madame la chef de l'opposition nous parler de ce projet. Les masques sont tombés bien vite, peut-être un petit peu trop vite, car l'opposition nous propose une déconcentration, nous propose donc de remplacer des médias dirigés par 9 personnes par des médias dirigés par 4 personnes. Un qui prendra la presse écrite, l'autre qui prendra le numérique, le troisième qui prendra la télé, et enfin le quatrième, celui qui a un peu moins de chance, prendra la radio. Non, ce n'est pas un projet viable, chère opposition. Vous êtes en train de vous tromper et de vous tromper lourdement. Aujourd'hui, les médias, et votre contre-proposition n'arrangera rien, sont les instruments d'une lutte d'intérêts. Car il y a une opposition fondamentale entre la liberté d'entreprendre et celle de la presse. Au nom de ces libertés, tout se mélange. Les grands industriels sont libres tout à la fois d'avoir des industries et d'avoir des médias. Mais les médias, eux, sont pris au piège, devant tout à la fois informer, mais faire attention de ne pas porter trop de problèmes aux intérêts financiers de leurs patrons. Les médias deviennent alors simplement des terrains de jeu pour milliardaires. C'est pour cela que nous comprenons l'écho du peuple, que nous comprenons le sondage du Public Sénat de 2022, selon lequel 62% de nos compatriotes estiment que nos médias ne sont pas indépendants face aux industries et aux économies. Alors je vous pose la question. Trouvez-vous ça normal que des milliardaires continuent de percevoir des aides de l'État pour leurs médias alors qu'ils sont déjà riches, comme Bernard Arnault qui a touché 17 millions d'euros d'aides pendant le Covid alors qu'il s'est enrichi de milliards? Trouvez-vous ça normal que des milliardaires puissent manipuler l'information et blanchir leurs autres activités grâce à leurs médias, comme Dassault qui s'est servi du Figaro comme tribune d'expression de sa défense lorsqu'il fut accusé d'accusation dans le cadre de ses activités aéronautiques? Trouvez-vous ça normal que nos médias puissent être censurés pour faire le voile sur certaines activités, comme l'affaire des ports africains mettant en cause l'Empire Bolloré, dont le groupe Canal+ n'avait pas le droit de faire mention? Trouvez-vous ça normal de laisser le ciment de notre démocratie être fragilisé de la sorte? Voyez-vous, aujourd'hui, le canard n'est plus le seul à être enchaîné, et le monde médiatique attend désespérément sa libération. Madame, je prendrai votre question. Pourquoi vous attaquez-vous au seul cumul des médias et des entreprises lorsque vous pouvez agir directement sur la concentration au sein même des secteurs des médias? Et parce qu'aujourd'hui, à s'attaquer à la concentration ne sert à rien. Ce que nous proposons justement aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure gouvernance interne pour les médias. C'est pourquoi, et j'y viens, notre projet. Notre projet, pour répondre à ces conflits d'intérêts, nous mettrons en œuvre le temporaire plan médiatique et profitable, le TPMP. Les patrons actuels auront jusqu'au 1er juillet 2024 pour soit vendre leurs médias, soit leurs actifs. À la suite de ça, s'appliquera une exonération d'impôts pour les médias touchant moins de 1 million de chiffre d'affaires. Et enfin, nous reverserons une subvention plus importante à la presse, doublant l'enveloppe actuelle, passant de 500 millions à 1 milliard d'euros. Chère Assemblée, ne vous y méprenez pas. Nous ne cherchons pas à contrôler la liberté de la presse grâce à nos subventions, car elles seront accordées sans discrimination à tous ceux vivant de la diffusion ou de la recherche d'informations. Peu importe la ligne éditoriale, cela ne nous regarde pas. Mais simplement, aujourd'hui, les subventions, ce ne sera plus simplement de l'argent de poche pour industriels.
Il ne s'agit pas non plus de lutter éperdument contre les patrons, mais de s'assurer que les propriétaires de médias n'aient pas d'intérêt économique ailleurs. Si un millionnaire veut posséder un média, il le peut, mais il devra revendre ses activités connexes. Nous rendons donc aux médias la possibilité de faire usage de ce bien précieux qu'est l'information comme ils le souhaitent. Et ce modèle, chère opposition, est parfaitement viable. Les médias télévisuels et radio, déjà rentables, seront conservés par leurs propriétaires ou revendus, et la presse écrite, ayant plus de difficultés, recevra plus de subventions, mais pourra se renouveler grâce à sa nouvelle gouvernance indépendante que ce projet gouvernemental va permettre. Alors, chère Assemblée, il est temps de réagir. Nous n'avons plus à être tributaires des intérêts privés pour avoir de l'information. Alors aujourd'hui, votez pour notre projet, afin que ceux n'étant pas capables de tirer un trait sur leurs industries de marque acceptent de céder le flambeau à ceux voulant véritablement raviver la flamme de nos médias. Nous accueillons maintenant M. Baptiste Salis, deuxième député de l'opposition. Vous ne faites rien de neuf. Votre projet de loi, en substance, a déjà existé. L'ordonnance du 26 août 1944 exigeait notamment l'interdiction pour un même actionnaire ou pour le directeur d'un journal d'exercer une fonction industrielle ou commerciale à côté de ses médias et fonction qui garantirait une large partie de ses revenus. C'est peu ou prou ce que vous proposez aujourd'hui, on m'accorderait cela. Or, face aux difficultés financières rencontrées par ce qui fut vite nommé cette presse sans capitaux, eh bien, ce cadre légal a dû être progressivement assoupli. De 33 médias en 1944, nous étions passés à 13 en 1954. Cela nous apprend une chose simple. Les médias, pour fonctionner, ont besoin d'argent. Autrement, ils disparaissent. Et ils disparaissent d'autant plus vite lorsque vous leur imposez de telles restrictions. Imposer aux actionnaires majoritaires des médias de cesser leurs activités non médiatiques, en dessous d'un certain seuil de pourcent, c'est s'assurer de la mort des journaux et de la télévision. Et vos subventions n'y changeront rien, car c'est à la structure même du marché que vous touchez. Si votre projet est publié demain, il mettrait sur le marché une quantité considérable d'entreprises, pénalisant l'ensemble des médias français et créant évidemment un effondrement des marchés financiers. Or, vous vous méprenez, comme vous l'avons dit, dans votre projet, en prenant une spécialisation des secteurs de médias par rapport aux autres secteurs, non pas au sein même du secteur des médias. Je prendrai votre question. Monsieur le député, comment pouvez-vous comparer l'industrie de 1944 à l'industrie actuelle ? Mais parce que c'est le même principe. Lorsque vous essayez de régler par des subventions, par des dons, que vous n'essayez même pas de réguler, mais que vous essayez de faire cesser le marché tel qu'il est, eh bien, nécessairement, cela se solde par un échec considérable. Ainsi donc, bien sûr, c'est un exemple que nous prenons sur 1944. Mais nous estimons que c'est un beau tableau de la situation actuelle. Car le gouvernement nous propose aujourd'hui d'étatiser, d'administrer, de subventionner. Mais l'État verse déjà plus d'un milliard d'euros d'aide directe aux médias et 10 milliards d'euros d'aide indirecte, 11% du chiffre d'affaires du secteur. Des aides dont le Conseil d'État fit ce commentaire, pour coûteuses qu'elles soient, elles n'ont pas démontré leur efficacité. Imaginez s'il s'agissait de les augmenter massivement. Imaginez s'il s'agissait de les augmenter, eh bien, pour remplacer les actionnaires qui fuiraient le secteur naturellement. C'est tout bonnement incalculable, car il faudrait présumer des changements de prix des parts de marché. En réalité, vous n'obtiendrez par ce projet de loi qu'une atteinte à la libre entreprise, avec un impact considérable sur la production et sur les investissements dans les médias. Comment l'État décidera-t-il de l'attribution des subventions ? Par une autorité indépendante, m'avez-vous dit. L'ARCOM est une autorité indépendante. Cependant, son président est nommé par le président de la République. Et 5 de ses membres sont indirectement nommés par lui. Alors, aujourd'hui, nous ne demandons qu'à faire confiance à votre exécutif. Vous nous paraissez sympathique. Mais qui nous dit que nous pourrons faire confiance à l'exécutif de demain ? Que fera-t-il avec cette autorité ? Que fera-t-il avec ce pouvoir ? Les Français auront-ils confiance en un média sous tutelle ? Alors, vous parlez d'assaut, mais l'État ne pourra-t-il pas lui aussi
assurer sa défense dans le Figaro ou dans le Monde. En annonçant le divorce des médias et de leurs investisseurs, vous ne faites que condamner les premiers à l'assèchement financier. Face à l'intrusion dans le marché des médias, d'opérateurs comme Google, qui sont davantage agrégateurs de contenu que créateurs de contenu, mais qui représentent une véritable concurrence pour nos médias français. Eh bien, face à cela, seul le privé, oui, en réalité, seuls les grands groupes financiers sont capables d'assurer les investissements nécessaires à protéger nos médias français. L'État ne pourrait malheureusement pas suivre. Le coût est si gargantuesque qu'il est incalculable, selon le rapport de la Banque mondiale de 2005. Eh bien, la Banque mondiale a clairement expliqué que dans la quasi-totalité des cas, toute forme de nationalisation, toute forme d'intrusion de l'État dans le marché des médias se soldait par un échec considérable, une concentration néfaste et une difficulté de financement. J'entends vos critiques. Bien sûr qu'il faut réguler, mais réguler n'est pas nuire. Réguler n'est pas punir. Il existe une solution qui ne détruit pas le marché et qui permet tout à la fois de réguler ces grands groupes dont vous parlez. Limiter l'actionnariat majoritaire à un seul secteur de médias, par exemple la presse ou la télévision, en réformant la loi Léotard de 1986. Car cette loi prévoit déjà que la participation soit limitée au sein des secteurs par des limitations du nombre de médias possédés, mais elle ne régule pas les concentrations du type de médias. Ce sont donc deux logiques qui s'opposent ce soir, mesdames et messieurs. L'une idéologique, caricaturale, infinançable, l'autre pragmatique, claire, concrète. En deux mots, un mirage ou un miracle. Alors, à votre TPMP, je réponds par PCF, prévention contre vos fumisteries. Choisissons le camp de la raison, mesdames et messieurs. Nous accueillons maintenant le ministre délégué aux relations avec la presse, Monsieur Matteo Moreau. J'accuse notre société d'avoir capturé l'information. J'accuse parce qu'à l'aurore, tout allait bien. Dans ces eaux-là, l'on pouvait naviguer, jeter l'ancre où l'on voulait, d'un bateau à l'autre, qu'importe le capitaine. Mesdames, Messieurs les députés, chère Assemblée, j'accuse le mastodonte Bolloré et le capitaine Vivendi d'avoir sabordé un canal ruisselant. J'accuse ces milliardaires affamés, ce goinfrant de l'information pour nourrir leur monnaie plutôt que de servir l'information en la distribuant justement. Oui, enfin, j'accuse ce cartel de l'info de non-assistance à pluralisme en danger. Alors, j'entends et je suis ravi d'entendre que cette opposition est d'accord avec nous, c'est assez rare pour le souligner. Elle est d'accord, elle pense qu'il faut changer la concentration des médias. Oui, je vais le faire, mais cela ne sert à rien sans les propositions de M. Graff. Et imaginez deux minutes que si dans cette assemblée, il y avait un journaliste de Mediapart ou un rédacteur de l'Humanité qui entendrait que leurs médias feraient faillite sans les milliardaires. Heureusement qu'ils ne sont pas là. Le pluralisme, c'est le garant d'une information plurielle. Il faut des actionnaires transparents, oui, mais il en faut plusieurs. Il est formidable qu'un dirigeant possède un média sans autre activité. Il serait dangereux que 6 dirigeants possèdent l'ensemble des médias. L'information, encore une fois, est un bien précieux, un bien à part. Le pluralisme permet la démocratie, il permet une opinion de gauche, une opinion de droite, une opinion marxiste ou libérale, locale ou nationale. Le pluralisme est le garant de la démocratie, mais imaginez si toutes ces idées, tous ces débats venaient de la même source. C'est formidable, on aurait un débat plus issu du Truman Show que de l'Agora. Alors, afin d'éviter cela, on nous parle de PCF, on nous parle, nous, de TPMP, bien moi je vais créer l'Union de Régulation du Système Solidaire Médiatique, autrement appelé URSS Médiatique. Cette URSS va veiller à ce que ne chute jamais le mur entre dominance et concurrence.
Monsieur, je vais prendre votre question. Quelles mesures prendrez-vous pour lutter contre l'influence grandissante des GAFAM face à nos médias français ? Et monsieur, vous voyez, c'est une très bonne question, je vais y répondre par la suite, mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'ennemi, c'est certainement pas les GAFAM avec qui l'on peut travailler, mais plutôt ces milliardaires qui utilisent l'information pour travailler. Une variété de médias sérieux, c'est la liberté et la rigueur. La liberté d'être indépendant et la rigueur de l'information sûre, car si l'on vous ment, l'autre vous répondra. L'URSS veillera au fait qu'un actionnaire majoritaire ne détienne jamais plus de 15% des parts de marché d'un média. Un investisseur qui possède un journal et une radio, pourquoi pas, pour la ligne éditoriale. Un investisseur qui, même si ce serait impossible, rachète et TF1 et M6, non. Alors, la concurrence des médias, c'est en effet le garde-fou d'une pensée plurielle. Et c'est d'ailleurs pour cela que la presse écrite a été fondée, notamment par Jean Jaurès à l'Humanité. Jean Jaurès pour qui la défense de valeurs réellement actuelles était un fondement. Jean Jaurès qui serait fier, fier de voir que son média n'a rien perdu de son panache, tandis que le Figaro d'antan a passé l'arme à droite. Notre gouvernement, vous ne l'avez pas compris, ne contrôlera pas ce qui est dit. Il ne contrôlera pas ce qui est montré. Tout cela est très bien géré par l'ARCOM et nos excellents conseillers du CSA. Notre combat n'est pas de censurer ce qui est écrit, mais de permettre la publication de ce qui ne l'est pas. Quant à la presse étrangère, l'URSS, encore elle, veillera à ce qu'un capital étranger ne puisse devenir un acteur principal d'un média français. On ne vire pas Xavier Niel par la porte pour récupérer Javier Niello par la fenêtre. Alors l'information, c'est une arme, oui, une arme. Et qui laisserait le nucléaire entièrement dirigé par des étrangers? Alors, au cœur de la tempête, gardez votre cap, votez pour une presse libre, votez pour pouvoir lire l'inverse de ce que vous pensez, votez pour penser contre vous-même, votez pour que le Parisien rime avec commune et plus avec Arnaud, ce ne serait pas du luxe. Votez pour la fin de la concentration des pouvoirs et votez pour la fin de la concentration des médias. Votez parce que le temps presse, mais la presse n'attend pas. Nous accueillons maintenant le troisième député de l'opposition, M. Arnaud Rey. Nous regardons avec étonnement le gouvernement organiser le harakiri désolant du paysage médiatique français. Souhaitant mettre en place des hebdos qui se demanderaient dangereusement où est passé Charlie, tant l'information serait uniformisée, tant le pluralisme serait bafoué, tant le robinet des financements serait asséché. Et les échos sourds de cette mort annoncée ne parviendront pas à ressusciter une indépendance journalistique trop souvent oubliée, dont certains médias particuliers ne pourront se relever. Les journalistes, mesdames et messieurs, sont les baromètres fidèles, mais négligés, de la santé de notre démocratie. Leur mission d'information est tout bonnement incompatible avec un gouvernement qui estime que l'indépendance de leur travail est uniquement conditionnée à la fin du cumul avec des activités économiques et industrielles. Et vous, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que le terrain pour milliardaires ne se transformerait pas en terrain d'influence pour politiques en mal de popularité ? En mettant fin au cumul, ce gouvernement a fait le choix de transformer l'actionnariat privé par un actionnariat exécutif. Dans les faits, rien ne change. Tout se poursuit, tout se poursuit. Le décisionnaire devient un pouvoir politique partisan qui finance, qui oriente, qui conditionne le travail médiatique. Une sorte d'ORTF du XXIe siècle où le monopole d'État deviendrait des médias du pouvoir. Alors certes, ce projet contient
un organe de surveillance, d'ailleurs qui ne s'adapte pas aux évolutions du champ médiatique, et dont les dirigeants sont nommés également par le pouvoir exécutif. Mais posez-vous la question suivante. Quel homme politique aurait le courage de renoncer à son pouvoir de nomination et à ses prérogatives lorsque l'honneur de son gouvernement serait mis en cause? J'ajoute que ce système est tout simplement pas périn, car il ne résisterait pas à l'alternance politique. Je prendrai votre question. Monsieur, pensez-vous réellement que les journalistes d'un média dirigé 100% par les journalistes, comme nous le permettons, sera sous le contrôle de l'exécutif? Pour la simple et bonne raison, monsieur, que lorsqu'il n'y aura plus d'actionnaires privés, ça sera l'État qui va subventionner. Et comment ces subventions vont être accordées? Selon des critères subjectifs que l'on a encore du mal à savoir quels en sont le contenu. Et on peut se poser par exemple la question, comment un média pourrait révéler qu'un ministre de la République possède des comptes cachés à l'étranger lorsque celui-ci a un intérêt? De même, aucune garantie nous assure donc que ce régime de subvention sera autonome et indépendant. La transparence que vous évoquez s'opacifie dangereusement. Enfin, mesdames et messieurs, pouvons-nous nous satisfaire d'un travail journalistique qui perdrait indéniablement en qualité et en audace? Un média tributaire d'un pouvoir politique serait sans aucun doute amené à manipuler l'information qui serait défavorable au gouvernement et à glorifier celle qui lui serait bénéfique. On ne mord pas la main de celui qui nous nourrit. De même, le travail d'investigation, si fondamental à l'équilibre de notre démocratie, serait indéniablement mis à mal, notamment lorsqu'on sait que les affaires les plus sombres qui ont ébranlé les gouvernements de la République ont été révélées par deux journaux, Mediapart et Le Canard Enchaîné, qui ne reçoivent aucun centime d'argent public. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, en interdisant le cumul des activités, on ne règle pas en définitive le fond du problème qui gangrène le paysage médiatique français. Il faut s'assurer que les structures médiatiques soient étanches et déconcentrées. C'est pourquoi, et dans le sens des conclusions rendues par la commission d'enquête du Sénat, nous plaidons pour que la majorité des salariés au sein d'une rédaction puissent nommer des administrateurs indépendants, des choix indépendants, afin d'assurer l'étanchéité entre les orientations économiques décidées par les actionnaires et les choix éditoriaux réalisés par les journalistes. Et également, nous placerons des administrateurs indépendants chargés d'assurer à la neutralité algorithmique des grandes plateformes multimédia. Mesdames et messieurs, l'information nous est chère, mais ne doit pas se payer au prix du sacrifice de l'indépendance médiatique. Et l'indépendance, ce n'est pas une spécialisation à outrance. L'indépendance se meurt quand le champ médiatique périclite. L'indépendance qui, croyez-le, ne peut subsister que par la déconcentration et la régulation interne. Nous appelons maintenant le dernier membre du gouvernement, rapporteur général du gouvernement, Monsieur Samuel Cherki. Ils vous ont tout pris. Tout. Votre petite librairie de quartier, terminée. Votre petite épicerie de quartier, terminée. Votre boutique de vêtements, terminée. Ils vous ont tout pris. Les grands groupes industriels et économiques. Ils sont organisés en cartels, en oligopoles, voire parfois directement en monopole. Mes citoyens, il vous reste une chose que, tout de même, l'information. Il vous restait l'information, le plaisir de s'informer, le plaisir d'être contredit par le journaliste que l'on écoute, le plaisir d'être parfois diverti, mais d'apprendre, le plaisir de découvrir. Mais tout cela est terminé. Ce n'est pas assez pour eux. Ils veulent désormais contrôler toute l'information. Ils avaient commencé par la presse régionale, puis ils sont allés du côté des radios, et enfin, ils ont acheté les grands fleurons de la presse française. Mais ils vous disent, la main sur le cœur, nous sauvons les médias,
Grâce aux milliards de nos industries, nous sauvons un secteur qui n'est pas économiquement viable. Nous, grands capitaines d'industrie, véritables militants pour le marché libre et l'homo economicus, nous sommes prêts à investir dans un secteur qui, comme l'a dit l'opposition, n'est pas rentable. Je dis à cette opposition, merci. Merci aux capitaines d'industrie. Merci à Serge Dassault d'avoir acheté le Figaro. Merci d'avoir pioché dans son porte-monnaie pour sauver la presse. L'opposition, voyez-vous, ne se pose pas la question la plus importante. Elle ne se pose pas la question suivante. Pourquoi des grands capitaines d'industrie investissent dans un secteur qui n'est pas rentable? C'est bien qu'il doit y avoir une plus-value. L'opposition ne comprend pas que les grands capitaines d'industrie veulent en réalité acheter le plus de médias possible pour une seule raison. Pour les transformer en cabinets de relations publiques. Pour les transformer en gestionnaires de crise. Pour blanchir leurs activités révélées par d'autres médias. Car ils le savent, c'est pour ça qu'ils investissent des activités à perte. Et c'est pour ça que le projet du gouvernement, ce n'est pas de nationaliser, comme j'ai pu l'entendre. Nous n'allons pas nationaliser, nous allons simplement encourager les subventions. Cela n'a rien à voir. Nous n'allons pas non plus nommer les patrons de presse. Au contraire, nous avons répété plusieurs fois, nous voulons des médias qui soient financés directement par leurs lecteurs. Pourquoi pas effectivement le système des journalistes actionnaires? Cela fonctionne. Nous sommes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec nous. Mais en fait, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec vous-même. Parce que d'un côté, vous nous dites que les médias sont libres sous capital privé, puis vous nous dites que vous êtes d'accord que la main qui nous donne à manger, en fait, c'est la main qui nous met une claque de l'autre côté. Choisissez une position. Nous avons notre position. Nous le savons. Lorsque les médias achètent, lorsque les capitaines d'industrie achètent les médias, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que nous voulons notre système viable qui sera mis en place par le TPMP, puis régulé en aval par l'URSS. Car l'URSS fera en sorte qu'aucun média ne soit dominé par un autre. Car nous voulons d'abord couper les liens incestueux et ensuite nous voulons déconcentrationner le secteur médiatique. Je vous écouterai, monsieur le député. Encourager les subventions, y a-t-il plus langue de bois que ce terme ? Une subvention, c'est simplement de l'argent donné par l'État avec le moins de conditions possibles pour qu'un secteur puisse fonctionner le temps qu'il trouve son lectorat. Le but n'est pas de donner des subventions à TF1 ou aux futurs grands médias qui auront plus de 50% des parts de marché. Le but, en réalité, est de leur donner des subventions quand ils n'ont pas encore trouvé leur modèle économique. Ce que le gouvernement vous dit ce soir, c'est que quand on change le mode d'organisation de production d'un produit, on change le produit. Quand on change le mode d'organisation dont la presse est faite, on change la presse. Nous ne voulons pas un marché uniformisé, nous voulons le pluralisme, nous voulons la diversité, nous voulons un marché de l'information hétérogène. Ce marché-là le sera grâce à notre mesure, puisqu'il y aura différents modes de gouvernance. Certains médias continueront avec la publicité. D'où effectivement le rôle des GAFAM qu'il faudra peut-être réguler plus tard quand ils se comporteront exactement comme les Bernard Arnault et les Serge Dassault. En attendant, je n'ai jamais vu Google, d'abord en personne, et je ne l'ai jamais vu taper à la porte des journalistes pour ne pas publier les informations concernant leurs amendes astronomiques au Parlement européen. Citoyens, ce soir, je vais couper court. J'ai une pensée pour le petit kiosquier de la ville qui pense qu'il n'est qu'un petit boulon des empires médiatiques. Quand la loi sera votée, il deviendra l'avant-garde de l'information. J'ai une pensée pour le journaliste fraîchement diplômé, qui, une fois la loi votée, retrouvera son panache, sa dignité, et saura qu'il pourra révéler les affaires Benalla de demain ou les autres affaires Bettencourt, Karachi, et encore, je n'ai pas assez de lettres. Pourtant, on pourrait citer toutes ces affaires avec tout l'alphabet. Et enfin, j'ai une pensée pour vous, citoyens. Vous qui en avez marre, vous voulez vous informer, mais vous ne voulez pas vous méfier. Vous voulez être citoyen, pas consommateur. Avec notre loi, l'info est un bien commun. Ça sera le ciment de notre démocratie, sans méfiance. Sans méfiance. Et à présent, pour conclure ces débats, voici le secrétaire général de l'opposition, Monsieur Léo Briggs. Le gouvernement
a eu aujourd'hui des craintes parfaitement légitimes. Ces messieurs dames craignent que les puissances financières et industrielles qui détiennent les médias exercent une influence sur les rédactions, et ce au détriment de l'information de qualité que les Français et notre démocratie méritent. Mais il convient de comprendre, mesdames et messieurs, que si ce constat est limpide et dépasse les clivages politiques, oui, la solution proposée par ce gouvernement n'entraînera que le chaos dans un secteur qui ne demande pourtant que stabilité et garanties sérieuses. L'opposition a des ambitions fortes concernant ces risques d'ingérence, mais nous utilisons les moyens adaptés à ces ambitions, parce que l'interdiction pure et dure du cumul d'une activité économique ou industrielle à la possession de médias est une idée ubuesque, surtout lorsqu'on a la définition d'activité économique qu'a donnée Madame la Première Ministre. Je cite, c'est « tant qu'il y a de l'argent ». Madame, j'ai entendu ça dans un bistrot ce matin. Face à la fuite des investisseurs, qui sera inévitable, ils ont 2 ans pour le faire. 2 ans, c'est très généreux. Mais je comprends que ce gouvernement est plus intéressé par la chose juridique. Mais il aurait fallu ouvrir un livre d'économie. Parce que si vous mettez sur le marché la quasi-totalité des actions aujourd'hui du secteur médiatique, vous ne pouvez pas ne pas vous attendre à un effondrement du prix de ces actions. Simple loi de l'offre et de la demande. Vous allez mettre en 2 ans la quasi-totalité des actions des médias sur le marché. C'est mathématiquement infaisable. Alors, pour pallier à cela, vous parlez de plus de subventions. C'est vrai. Ce gouvernement a vu juste. La presse n'est pas assez subventionnée. Après les aides à la diffusion, les aides au pluralisme, les aides à la modernisation, qui, oui, font 500 millions d'euros. Mais à cela, il faut ajouter, mesdames et messieurs, les aides indirectes. La TVA réduite, le crédit d'impôt, les tarifs postaux préférentiels. En tout, on est bien loin du milliard que ce gouvernement promet. Et surtout, ce milliard ne sera jamais suffisant. Parce que on peut se plaindre ou se moquer la prétendue générosité des milliardaires. Mais rien que Bernard Arnault, l'année dernière, pour LVMH, a donné 220 millions pour éponger les déficits. Alors vous parlez des 500 millions proposés par ce gouvernement, ça ne sera jamais suffisant. Je parle ici uniquement de LVMH. Uniquement. Ensuite, oui monsieur, pardon, je prendrai votre question. Vas-y. Pouvez-vous nous dire ce soir, devant tous et toutes, quels sont les réels intérêts de Bernard Arnault et de LVMH à perdre autant d'argent dans le financement de médias? Cette question est parfaitement intéressante et légitime, mesdames et messieurs. Elle est légitime, oui. Parce que, c'est vrai, on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes sur la nécessité de ce financement pour ces groupes qui perdent de l'argent. Mais est-ce que la solution, c'est refuser cet argent? Non. La solution, c'est ce que nous avons proposé avec l'opposition, c'est mettre des administrateurs dans chaque conseil d'administration. Et c'est d'ailleurs une proposition pour laquelle vous avez eu beaucoup de mépris, et ça ne me vexe pas particulièrement, j'ai le cuir plus dur que ça, mais ça témoigne d'une forme de méconnaissance du travail des deux chambres, puisque cette proposition est celle d'un sénateur, d'un rapport sénatorial, que vous devriez lire, que vous devriez écouter, parce que la proposition qui est la vôtre, c'est celle de l'unilatéralisme. Unilatéralisme tel que monsieur le ministre dit que tout le monde s'en fiche de la concentration. Mais non, la concentration, c'est le cœur du problème, la concentration des médias. Quelques médias, je prends l'exemple par exemple de Vincent Bolloré, qui possède le groupe Canal+, mais aussi Europe 1, et aussi des journaux et des magazines. Vous ne faites rien pour adresser cette situation. Rien. Rien. Et vous vous dites après que la concentration n'est pas un problème. 250 journalistes du Monde ne seraient pas d'accord avec vous. Ce qu'il faut, c'est les administrateurs. Un administrateur dans chaque conseil d'administration qui rendrait des comptes aux commissions d'enquête des deux chambres pour plus de transparence, sans pour autant refuser des fonds qui ne pourront pas être remplacés, en tout cas pas par le projet que vous proposez, qui est largement insuffisant. Vous avez aussi 30 ans de retard. 30 ans de retard. Nous avons fait, mesdames et messieurs, ici un voyage dans le temps, un formidable voyage dans le temps. Nous sommes au tournant des années 90, on commence vaguement à entendre parler d'Internet outre-Atlantique, mais les GAFAM, ce n'est pas le problème de maintenant. Non, on adressera ça sans doute plus tard, oui, plus tard. Quand, on ne sait pas, on ne saura jamais. Parce que, avec l'administrateur que nous proposons, et qui est méprisé par ce gouvernement, nous adressons ce problème de censure, ce problème de modération,
au sein des réseaux sociaux comme Twitter, qui peuvent censurer en fonction de leurs conditions générales d'utilisation. C'est scandaleux et nous l'adressons. Mesdames et messieurs, je vous en conjure. Si le projet de ce gouvernement est aujourd'hui voté, c'est la mort de tout un pan de notre secteur médiatique qui ne pourront survivre sans financement. L'information des Français mérite mieux. Ils méritent qu'on les écoute enfin, les journalistes aussi. Écoutons-les, faisons ce choix et rejetons ce projet. Merci beaucoup à tous, aux deux équipes, gouvernement et opposition. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer et nous reviendrons quand le jury aura délibéré pour vous annoncer le grand vainqueur de cette finale. Merci à tous. Veuillez accueillir une nouvelle fois Madame Dana Salama, présidente de la FFDE. C'est avec un empressement qui m'est habituel, ce débit trop rapide qui m'est sans doute coutumier, que je vais m'adresser à vous. Parlez vite, car l'un des finalistes menace déjà de tourner de l'œil. Parlez correctement, pour ne rien oublier. Parlez pour tout dire. Et gravez dans ces quelques instants le récit d'une année. Chaque remerciement mérité, sans politesse excessive, sans flagornerie, dont voici au moins une tentative. Une pensée d'abord à chaque orateur, oratrice, croisé à chaque sélection, chaque concours, chaque formation, à chaque formateur, formatrice, à chacun de ceux qui, chaque année, donnent de leur temps pour œuvrer à ce passage de témoin qui est la mission de notre fédération, à ceux qui se dévouent pour apprendre à tout le monde comment rien dire, mais le dire avec une grande qualité. À nos associations, dont le travail quotidien rend même possible l'existence de notre fédération, aux étudiants qui évoluent à leur tête, à ceux qui ne comptent pas leur temps pour partager toujours et encore cette petite idée de l'art oratoire. À celles et ceux qui ont vécu ce championnat tambour battant dans les cris, les larmes, le rire et même parfois le travail. À ceux qui y ont cru jusqu'au bout. Aux deux meilleures d'entre elles, jusqu'à preuve du contraire, mes félicitations renouvelées pour un parcours brillant, digne des plus grands funambules tant les qualifications se sont parfois jouées sur un fil. Aux personnalités qui donnent de leur temps pour notre fédération, pour nos bêtises étudiantes. Maître Perrier, pour votre fidélité, chers membres du jury, bienvenue dans notre famille et merci. Un mot aussi pour les lieux toujours plus grandioses et dans lesquels nous peinons toujours à trouver nos places pour leur accueil. L'ego de nos orateurs ne saurait se développer sans les grands espaces que vous leur prêtez, mais merci quand même. Évidemment, un mot pour Thomas Bouvard, qui avec son équipe réalise nos événements sans faillir. Un remerciement qui ne saurait mettre un mot sur ce que nous lui devons vraiment à notre très cher Guillaume Brunet. Je dois aussi toute ma dévotion, mon amitié aussi, mais pas que, à l'équipe de la Fédération, aux responsables du pôle championnat, Estelle, très cher Guillaume, à la petite famille constituée au fil des années qui passent, qui me vieillissent et voient déjà certaines de nos chevelures blanchir. Oui, Abraham. À ceux qui sont devenus des amis malgré parfois de vrais faux départs. À ceux qui m'ont appris qu'on peut faire beaucoup avec la rancœur, mais sans mauvaise rime, tant plus de choses encore avec le cœur. À ceux qui, malgré leur fougue et leur jeunesse, sont déjà nos anciens. À ceux qui nous ont accueillis dans cette grande famille, cher Arthur, chère Céline, cher Abraham. Au bureau de la Fédération, aux 5 acolytes qui ont tant œuvré pour que cette année soit une réussite, et notamment que ce championnat vive. Adèle, Quentin, Maël, c'est le moment, vos rires resteront la bande originale de ce mandat. Chère Inès, icône de dévouement, de constance et peut-être premièrement de bonne humeur. Cher Arthur, premier de cordée, il me tarde déjà la prochaine aventure à inventer.
Alors que chacun d'entre vous trépigne déjà de savoir qui aura la tâche de traverser Paris avec cette très lourde coupe. Encore une seconde que je vous vole. Et pour les 8 téméraires qui en sont arrivés jusque-là, dont je tiens qu'on les applaudisse encore, j'ai conscience qu'elle battra plus lentement que toutes les autres. Et alors que nous passons tous des heures à expliquer que personne ne dira jamais mieux que vous ce que vous avez à dire, me voilà conduite à emprunter sans délicatesse les mots de Romain Gary. Je ne vais pas vous parler du bonheur parce que je ne veux pas faire une crise de violence, mais Monsieur Hamil dit que j'ai des dispositions pour l'inexprimable. Il dit que l'inexprimable, c'est là qu'il faut chercher et que c'est là que ça se trouve. Sans chercher, en vous ayant trouvé, merci. Des membres de notre très cher jury qui va venir sur scène pour vous faire leur délibérer et vous annoncer enfin le meilleur orateur et le vainqueur de ce championnat de France. Mesdames et messieurs, chers camarades, fallait-il que je vous aime, vous de la FFDE, pour venir dans un quartier dont j'avais entendu parler, mais dont j'avais jusqu'alors une idée abstraite? On m'avait parlé du 19e arrondissement, mais j'avais lu des livres, j'avais fait mes vaccins, mais maintenant, je sais que ça existe vraiment. Et je vois l'incarnation de la NUPS qui va constituer nos 5 prochaines années. Et je constate avec Pierre Laurent qu'on peut être sénateur et porter des nu-pieds, ce que jusqu'alors j'ignorais, mais je ne fais pas le malin car lundi il sera ministre et je serai toujours avocat. Lui aura gagné et j'aurai regretté mon vote. Pas celui de ce soir, mais celui de dimanche. Il y aura un vainqueur et un vaincu, et je serai une nouvelle fois dans le camp de la loose. Ce qui me donnera, avec une équipe, ce soir, un sentiment d'appartenance. Et à la fin de la fin, c'est Pierre Laurent qui ramènera la coupe à la maison. Et pour ma part, j'essaierai, dans un recyclage de bonne aloi, puisque les avocats, qui sont beaucoup trop riches pour des communistes, et que c'est un peu la rencontre de l'offre et de la demande, du bourreau et de la victime, cessant d'être avocat, je me présenterai pour être président de la FFDE. Non pas pour être président de la FFDE, mais pour avoir quelqu'un qui m'annonce. Parce que j'aime l'idée qu'à la FFDE, le président ne se balade jamais sans un aboyeur qui l'annonce à la boulangerie, au tribunal, à l'université, quelqu'un, Madame Dana Salama. Vous voyez, c'est formidable. Quand cette jeune femme passe un oral, elle vient pas en flippant comme tout le monde, elle est nantie de son chaouche qui dit à l'examinateur « Madame Dana Salama !» Et donc le mec donne le premier sujet, le plus facile, ce qui lui a permis d'être présidente de la FFDE. Merci infiniment, chère Dana, de nous avoir rassemblés 1000 fois au cours de cette année, année post-Covid, année malgré tout complexe, où tu as fait vivre la prise de parole en public avec ferveur, avec talent, avec efficacité. Nous nous sommes beaucoup amusés grâce à toi. Et effectivement, une fois de plus, vous m'avez évité par des invitations réitérées, des soirées solitaires et une fois de plus,
plus, je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir rendu mon célibat plus facile à supporter. Et malgré tout, je voudrais avoir une pensée pour celui des esclaves de Dana Salama, dont le rôle ce soir est de taper violemment sur une table, qui ne lui a rien fait a priori. Et donc, le sénateur Pierre Laurent, dont vous avez détruit la table, fera une demande de dommages et intérêts, parce que sachez que tout cela est classé au patrimoine mondial de l'URSS, d'ailleurs. Hein. Et donc... Et la demande partira à un moment. Je me suis dit, en fait, c'est pas sa main qui tape, c'est comme il s'ennuie tellement, c'est sa tête qui tape. Et toutes les 4 minutes, le mec n'en peut plus. Et donc, bravo pour ce rôle délicat. Je ne sais pas qui a tenu ce rôle. Voilà, vous avez bien fait d'être orateur pour être réduit à cette tâche. On sait, à la FFDE, utiliser les talents à leur juste mesure. Et l'orateur que vous êtes, par ailleurs, donne tout aussi sa mesure dans le tapage de table. Il n'y a pas de petit métier. C'est probablement ce qu'on appelle les tâches à l'abri de la concurrence internationale, si chères aux communistes. Bien, alors... un mot sur l'équipe d'Assas, donc Manon Lisée. Alors, j'ai été, moi j'ai fait Assas aussi, hein, bien sûr, évidemment, comme tous les gens de qualité, qui... Ah. Je veux dire, les gens de qualité qui ont raté Sciences Po... Et alors Manon Lisée commence en disant « Les riches, c'est mal ». Et moi, je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe à Assas ?» Enfin, ils sont devenus de gauche, enfin, que on m'a paumé ma fac, que se passe-t-il, etc. Et puis, juste après, il y a les méchants et les gentils monsieur Attali, et là, tout le monde a la rêve d'Éric Zemmour, et on se dit « Ah, ben voilà !» On est à Assas. Et j'étais pleinement rassuré. Un mot sur Guillaume Graff. Guillaume Graff, qu'on appelle dans le milieu The Voice. Et alors, je vais vous dire, je ne voudrais pas être personnel avec Guillaume Graff, mais nous avons un passif. Et nous avons un passif parce que là, il fait le beau. Ce qu'en partie il est, il le sait. Ce qui est un atout dans la vie. Malgré tout, la dernière fois que j'ai croisé Guillaume Graff, j'étais son examinateur et il était mon élève. Et je puis vous dire qu'il faisait moins le malin. Parce que là, il fait le beau. Mais quand il s'est agi de parler de cassation administrative, alors là, monsieur Graff, on faisait moins le malin. Et on vous a mis la moyenne plus pour vos yeux que pour vos connaissances. Oui, monsieur Graff, vous avez validé, c'est vrai. Mais il y a des validations au talent et il y a des validations à la pitié. Et là où on voit que Guillaume Graff est vraiment nul en droit, c'est qu'il nous explique que Serge Dassault était, je cite, « accusé d'accusation ». Là, on se dit que le mec a un M2 d'Assas. M2 de surcroît de droit processuel. C'est vous dire à quel point cette fac est quasiment morte. Et donc il lui restait à faire des acronymes débiles avec TPMP qui ne sont pas à l'honneur de Guillaume Graff. Et encore une fois, je me réjouis de vous avoir vu sous un autre jour, Guillaume Graff, un jour où, pour cette fois-ci, vous avez vraiment du talent. Alors ensuite, il y a Matteo Moreau, qui est le seul mec de 20 ans qui a un costume 3 pièces. Pourquoi pas? Ça doit être quelque chose qu'il a acheté en arrivant à Paris. Hein, dans l'idée, je viens à Paris, il faut quand même que je m'habille un peu. Et donc, évidemment, il est dans l'éthos de son université, puisqu'il pense que Mediapart et Luma ne sont pas là.
Ah ben, ah ça, s'il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein, évidemment. Mais ils étaient bien là, ils vous ont entendu, et ils ont entendu votre blague sur l'URSS. Oui, parce que, ah ça, quand on n'a rien à dire, on fait des sigles rigolos, hein. Après tout, pourquoi pas, ça peut substituer une argumentation sur Xavier Niel et Javier Nielos, qui était l'autre nom de Javier Nulos. Alors, ensuite, il y a Samuel Tahar, qui... Cherki Tahar, c'est vous. On a marqué Cherki Tahar, mon pote. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, l'essentiel de Samuel Cherki, c'est que le mec prend des trucs. Enfin, on fait pas ça naturellement. Ça, c'est pas possible. Enfin, le mec est sous enfaite. Enfin, c'est absolument dramatique. Mais là où le mec est hyper fort, c'est sur deux trucs. D'abord, le mec invente des mots et a inventé ce soir le mot. Déconcentrationné. Tu sais pas, ces mots comptent triple au Scrabble. Déconcentrationné. Et puis là où le mec est un génie, c'est le génie de la péroraison. La fin de Samuel Cherki est un truc d'école, si tu veux. Dans toutes les écoles d'art oratoire, désormais, on regardera cette vidéo comme l'incarnation, l'acmé de la péroraison. Le mec, il va... Sans méfiance! Sans méfiance! Ensuite, nous avions l'équipe de Bordeaux. Magnifique équipe, dont la moitié des membres sont donc mineurs. Voilà, donc il y a Harry Potter et puis son pote, là... Bon, ils étaient à Bordeaux, ils se sont rencontrés dans les meetings avec Alain Juppé, les jeunes avec Juppé, hein, une espèce d'oxymore incroyable. Hein, nous, il y avait les jeunes avec Méhaignery ou les jeunes avec Giscard. Eux, c'est les jeunes avec Juppé, les jages. Voilà. Et donc, il y a cette pauvre Noa Vaché qui règne sur cette troupe d'enfants, comme une sorte de maîtresse d'école ou de patronne de colonie de vacances. Hein. Eux, ils ont le kappa, elle a le bafa. Après tout, chacun a son examen. Et je dois vous le dire, vous étiez très forte, vous étiez magnifique, Noa. Vous avez dit qu'il fallait être rentable. Et c'est vrai, il faut être rentable aussi dans la parole. La parole, c'est gratuit, mais il y a aussi une rentabilité. Et puis, je vais faire une blague de boomer, vous me l'excuserez, il n'y a plus que ça qui me reste. Je voulais vous dire, cher Noa, vous avez parlé de déconcentration, et quand je vous écoutais, j'étais moi-même assez déconcentré. Oui, c'est une blague de boomer. Un jour, je comparaîtrai pour cette blague. Il me reste 5 ans de MeToo pour parler encore et ensuite ce sera fini. Donc ensuite on a Harry Potter, voilà qui se laisse happer par les histoires d'acronymes d'Assas avec les préventions contre les fumisteries. Franchement, sachez-le, en délibéré, Pierre Laurent a adoré cette blague. Enfin, je veux dire, on lui parle du PCF et on fait des blagues pour lui, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est son moment, voilà. Et puis on a bien compris que derrière avec quand même les jeunes avec Juppé, puisqu'il nous a dit « Seul le privé est capable d'assurer les investissements. » Ah ben c'est vrai, le public c'est mal. D'ailleurs, c'est pas là que t'allais à l'école, évidemment, Baptiste Salis. Je sais, j'ai été dans le privé aussi, et je suis né à Neuilly aussi. Ensuite, on avait Arnaud Rey. Alors là, je n'ai rien compris, j'ai noté « neutralité algorithmique ». C'est tout ce que j'ai noté, là tu m'as perdu. Moi, j'ai fait un bac C, mais j'ai eu 8 en maths, donc là, honnêtement, c'était trop. Enfin, tu vois, je peux pas, c'était remarquable, mais beaucoup trop fort pour moi. Et puis après, donc, il y a eu Léo Brix, donc le camarade de communion de Baptiste Salis. Ah bah oui, ils ont eu le même confesseur, ça se voit, qui nous a dit « J'ai entendu ça dans un bistrot ce matin ». Non. Non, tu n'as pas entendu ça dans un bistrot ce matin, car tu n'es jamais allé dans un bistrot. Non, tu n'as pas vu des mecs du PMU. Non, tu n'as pas vu des mecs au gros rouge qui tâchent à 8 h du matin. Non,
Tu ne sais pas où c'est? Non, parce que c'est ici. Et donc, non, ne fais pas peuple, Léo. Ça ne te va pas. Tu ne peux pas jouer avec ça. Le peuple porte des nu-pieds. Et tu ne peux pas. Non, tu n'es pas nups. Ne cherche pas. Tu es dans le camp des perdants, toi aussi. Ça n'est pas grave, on sera quelques-uns. Tu seras exproprié, toi aussi. Tes parents également. C'est ainsi, qu'est-ce que tu veux? Et tu nous as dit, mais alors là aussi, j'ai le cuir plus dur que ça. Mais quel cuir? Un duvet, peut-être? Et le mec te dit, vous avez 30 ans de retard, mais 30 ans, c'est le double de ton âge. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, mon ami? C'était formidable. Donc, on va vous donner l'avis. Évidemment, les autres membres du jury vont donner leur avis sur ce très, très beau débat, très travaillé, très technique, où le jury a remarqué, au-delà des pantomimes que je fais depuis 10 minutes, le travail accompli, le sérieux argumentatif. Et moi, je voudrais proposer que... on crée, pour remplacer l'ARCOM, qui a été beaucoup dragué hein, aujourd'hui. Après tout, on peut aussi, Benoît Loutrel n'a pas été insensible à ce dragage sur l'ARCOM, monsieur l'ARCOM, alors que le barreau n'a rien eu, par exemple, ce qui aurait été habile. Nous, on est une variable d'ajustement. Donc, entre la TPMP et l'URSS, puisque moi aussi j'ai fait à ça, c'est que j'aime aussi les acronymes de merde, je vous propose qu'on supprime l'ARCOM pour la remplacer par la haute autorité nationale œuvrant pour l'unification de la nullité audiovisuelle, la Hanouna, et ainsi, enfin, nous passerons de bonnes soirées. Il me revient de parler après Maître Perrier. Et donc, je dois vous faire part d'une inquiétude, c'est celle de devoir parler après Maître Perrier. Et ce qui vient de se passer, c'est un gage de sérénité. Tout était prévu et écrit. Rien ne fut improvisé. Je vais essayer d'être dans l'économie des mots pour vous dire une chose. Je me suis souvent posé la question de savoir si je pourrais être un jour un juré de cour d'assises, vu les tourments qui m'assaillent là d'avoir eu à juger entre deux merveilleuses équipes, il est absolument certain que c'est une tâche que je ne pourrai jamais honorer. Je le dis d'autant plus que, contrairement à vous, je suis de ceux qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, et donc tout ce qui peut me rattacher à cette forme de fraternité, de sororité qui bat fort ici, il suffit de... pas simplement taper sur la table pour le constater, ça me réjouit de connaître un peu ce passé qui n'a jamais été le mien. Là, quand on a délibéré, il nous a été dit par les organisateurs que nous devions prendre la parole dans un ordre qui était défini, mais surtout ne rien vous dévoiler de ce qui a été décidé. C'est-à-dire qu'il nous est demandé exactement l'inverse de ce que les concurrents et concurrentes ont fait ici, c'est de ne pas vous convaincre, et j'espère le faire avec le plus de talent possible. Mais je peux faire part, pour terminer, d'une forme de joie, qui est la mienne, qui est de constater que quand on parle de la concentration des médias, qu'il s'agisse d'une majorité politique ou d'une opposition, qu'il s'agisse d'Assas ou de Bordeaux, nous sommes face à deux visions progressistes de cette question. Je n'ai vu aucun réactionnaire sous ce ciel d'acier du Parti communiste français. Je trouve ça absolument réjouissant et je vous en remercie et je les en remercie. Bon, alors moi je suis là parce que je suis membre de l'ARCOM. On est neuf à l'ARCOM. Donc la question, c'est pourquoi c'est moi qui ai été envoyé? Parce que tout le monde s'est dit, mais c'est bien comme débat, mais c'est la question d'actualité, c'est celle qui brûle en ce moment. Dès qu'on pointe notre tête au Sénat, pouf, on s'en prend plein la figure. Alors je crois quand même qu'il y en a qui se sont dit, lui c'est l'ingénieur, il va dire des équations, ils vont rien comprendre, donc il ne va pas nous compromettre. Parce que les autres, il y a des Sciences Po, ça parle trop, il y a des juristes, ça résonne trop. Je crains que ça soit ça. Mais non, ce que je voulais dire quand même, c'est que
Moi, je suis assez impressionné parce que le débat est éternel et il a été joliment relevé. Le lien entre l'indépendance, le contrôle des médias, comment est-ce qu'on garantit le pluralisme des médias, et c'est une équation impossible en permanence sur laquelle vous avez joué et avec laquelle nous jouons en permanence. La fragilité du modèle économique qui pose le problème du financement. Et si on n'arrive pas à établir le financement, ah ben oui, il y a ce lien bizarre avec les actionnaires. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est quand même que on a vu des deux côtés l'ombre portée des géants numériques. Je pensais qu'elle serait plus présente, honnêtement, parce que à la fois c'est ça qui est intéressant. Pour cette question, elle est ancienne. Elle existe depuis tout le siècle dernier. Elle a été présente, ce problème d'indépendance et de contrôle des médias. Et si elle revient en ce moment, c'est parce qu'il y a cette transformation numérique qui bouscule tout, qui bouscule la manière dont fonctionne l'espace informationnel. Vous vous informez beaucoup plus sur les réseaux sociaux, je vous fais un procès sur votre âge, que nous, de ce côté-là. Oui. Et donc ça questionne le modèle économique des médias classiques. Il est bousculé par ces géants qui sont apparus. Donc je pense qu'on a bien débattu ce soir, mais on doit pouvoir recommencer encore un peu pour aller encore plus loin des deux côtés, des deux équipes, sur en quoi ces grands acteurs ils posent des questions et en quoi justement les décisions qu'on prend sur les médias traditionnels, elles sont cohérentes avec ce qui se passe sur les médias algorithmiques. Je les appelle comme ça, ils sont algorithmiques, ce sont des médias parce que vous vous informez dessus, donc c'est le rôle des médias, mais ils n'ont pas de journalistes, pas de rédaction. Et par contre, ils sont algorithmiques. Donc je pense que ça, c'est un bon sujet. Alors après, évidemment, on a pris notre dose raisonnable. L'ARCOM, c'est normal. Un régulateur qui ne sait pas critiquer, ce n'est pas un bon régulateur. Mais on a échappé à la question qui, normalement, arrive toujours. Si vous dites TPMP, vous dites Hanouna, vous dites le contrôle des médias, à la fin, dans une conversation, ça finit toujours sur « Mais que fait le CSA ?» Donc, merci pour nous avoir épargné cette question et je crois que j'ai rempli ma mission si je ressors de cette pièce en étant le seul à l'avoir dit. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, moi, je suis là aujourd'hui en tant que membre du jury, mais je ne pourrais pas vous cacher qu'il y a moins de 10 ans, allez, 5 ans, j'étais de l'autre côté, je participais à un concours d'éloquence. Et donc je comprends, c'est juste pour vous dire que je comprends le trac, je comprends le stress, je comprends ensuite la joie et l'enthousiasme d'avoir un public qui est d'ailleurs très dynamique. Donc je ne m'attarderai pas trop pour céder la place à Pierre-Laurent. Je voulais juste dire, ce serait peut-être un défaut de ma profession d'être trop technique, mais j'aimerais juste souligner que j'aurais plutôt attendu un peu plus de débat sur le plan juridique de la part des deux parties. J'ai notamment pensé à un débat sur les libertés fondamentales qui se confrontent, donc ça a été rapidement évoqué. Liberté de la presse, liberté d'entreprendre, est-ce que les mesures qui sont proposées par le gouvernement sont conformes à l'Union européenne, à la Constitution, donc à tous ces droits fondamentaux? J'aurais pensé aussi à la détention, donc à l'interdiction de détenir une activité de presse et une activité économique. Aujourd'hui, si la mesure proposée par le gouvernement interdirait à Bolloré de détenir un média, est-ce que ça interdirait sa femme de détenir le média? Voilà, donc je ne m'attarderai pas non plus trop sur la technicité, juste deux mots sur les différentes équipes. Donc le gouvernement, j'ai trouvé que vous avez, donc l'équipe d'ASSA, j'ai trouvé que vous aviez une bonne synergie en tant qu'équipe. Vous aurez pu être plus concret et précis dans vos propositions et répondre de manière plus précise aux questions qui vous ont été posées. L'opposition, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que vous avez cerné les enjeux et que vous avez bien pris le soin d'identifier les failles qui existaient dans le raisonnement du gouvernement. Après, je pense que vous aurez pu être plus audacieux dans votre position. Voilà, merci. Bien, bonsoir à tout le monde. Il me revient d'annoncer ceux qui ont gagné ce soir, mais avant de ça, je vais aussi dire quelques mots sur la soirée. Je vais faire un peu durer le plaisir un peu plus. Vous dire quand même, parce que je suis particulièrement heureux de vous accueillir ici. C'est quand même une salle peu ordinaire dans
laquelle vous avez le plaisir d'être ce soir. Je veux associer, il a été cité, un autre sénateur, un de mes collègues, Pierre Ouzoulias, qui a été à l'origine, en fait, de la proposition, parce qu'il faut que je vous explique peut-être en 30 secondes comment vous êtes arrivé là. Puisque au départ, l'équipe de la fédération a pris contact avec des sénateurs pour essayer de tenir cette finale au Sénat. Ça se fera peut-être un jour. En tout cas, j'essaierai d'aider à ça. Ça n'a pas été possible pour différentes raisons qui ne tenaient pas à notre volonté réciproque, puisque j'avais appuyé au Sénat cette demande en tant que vice-président. Et puis est venue l'idée, pas de moi, pas de moi, mais de la fédération, pourquoi pas ici. Je pense que certains peut-être connaissaient le lieu, ou ce lieu les intriguait, comme beaucoup, parce qu'on passe devant et on est toujours surpris par la qualité architecturale. Voilà, ce lieu qui a été dessiné à la fin des années 60 par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, le même qui a dessiné la capitale de Brasilia et qui est un grand, et qui avait décidé, après sa période d'exil pendant la dictature brésilienne des années 60, en France, puisqu'il avait été accueilli en France grâce à ses camarades communistes, puisqu'il était communiste, et à André Malraux à l'époque, ministre de la Culture de De Gaulle. Et à l'issue de cette période d'exil, il a offert le dessin de ce bâtiment à ses camarades communistes en remerciement de leur solidarité, puisqu'il avait dû fuir le Brésil à ce moment-là à cause de la dictature. Et donc ce lieu a été construit en deux phases, en 70 et puis en 80. Et cette coupole, en fait, a été la deuxième partie de la construction. Oscar Niemeyer appelait le hall, tout en courbe, puisque tout ce que faisait Niemeyer était en courbe, il appelait ça le foyer de la classe ouvrière à l'époque. Voilà, donc vous êtes ici dans le foyer de la classe ouvrière, et dans une salle où il s'est tenu beaucoup de réunions. Ce que je veux dire à ce propos, et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi de vous accueillir, c'est que l'éloquence, c'est évidemment... Il y a l'éloquence des prétoires, l'éloquence des plaidoiries, l'éloquence parlementaire. Il y a aussi une très belle éloquence ouvrière. J'ai été longtemps journaliste à l'Humanité. J'ai suivi beaucoup de grèves, de conflits sociaux, d'occupations d'usines. Quand vous allez sur ces lieux, il vous arrive très souvent de croiser des femmes, des hommes, qui n'ont pourtant jamais la parole dans les milieux les plus visibles, et qui pourtant sont dignes d'une très grande éloquence pour parfois haranguer des foules dans ces moments-là. J'espère que dimanche, il y a quelques femmes et quelques hommes de cette trempe-là qui vont rentrer. Je pense par exemple, peut-être vous avez vu des portraits, à cette ouvrière Rachel Keke qui a mené une grande lutte, une femme de chambre, qui a mené une grande lutte dans un hôtel parisien. Lutte victorieuse d'une jeune franco-ivoirienne qui peut-être sera députée dimanche soir, je l'espère, et d'autres. Donc l'éloquence, c'est quelque chose que nous avons en partage dans toute la société. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'ailleurs un bon représentant de l'éloquence, mais je sais que c'est une qualité qui est partagée dans toute la société et qui peut aussi unir la société. Je veux dire aussi que il y a quelque chose qui a été un bonheur pour moi de vous accueillir ici, c'est que je n'étais pas obligé d'être habillé en sénateur, justement, et donc effectivement, un sénateur communiste, quand il vient travailler ici, qui est par ailleurs en plus... les quartiers dans lesquels j'habite, dans lesquels je suis né, dans lesquels j'habite, puisque je suis né à Belleville et que j'y vis toujours. Effectivement, un sénateur, quand il vient ici, de manière plus décontractée et surtout par temps de canicule, ne porte pas de cravate. Donc bravo à toutes vos cravates. Au Sénat, si je vous avais accueilli au Sénat, j'aurais été avec une cravate, en vice-président du Sénat. Là, j'ai pu le faire de manière
plus tranquille, et c'est tant mieux, en tout cas pour moi et pour mon confort personnel. Je suis pas un ennemi de la cravate non plus, mais bon, vous savez, il y a un débat qui a existé à l'Assemblée, puisqu'à l'Assemblée nationale, on n'a plus besoin de porter la cravate dans l'hémicycle, mais au Sénat, on porte toujours la cravate dans l'hémicycle. Et quelque part, c'est peut-être une marque de respect qui n'est pas si désuète que ça. Ça dépend comment on voit les choses. Je n'ai pas de religion personnelle sur cette question. Sur une autre chose que je voulais dire, c'est que Bertrand Perrier a dit tout à l'heure que les communistes n'aimaient pas les avocats. Ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, parce que des fois, on en a besoin, nous aussi. Mais surtout, nous sommes en quelque sorte des avocats. En tout cas, on essaye d'être des avocats utiles à notre manière, de gens qui en ont bien besoin pour résister aux injustices dont ils sont victimes. Donc non, on aime bien les avocats, et on aime bien être les avocats de beaucoup de gens qui en ont besoin. En tout cas, on essaye. Pour dire un mot de la compétition de ce soir, je crois qu'elle a été... elle a été brillante, elle nous a impressionnés. Le sujet qu'on était dans le jury plusieurs à connaître un peu, c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet qui se prête forcément à des grands, à des grandes envolées d'éloquence, justement. Donc c'était pas facile, c'était pas aisé de le faire et de naviguer entre les aspects un peu techniques de ce sujet et les élans de conviction qu'il est nécessaire d'avoir quand on veut emporter la décision devant une assemblée. Alors c'est pas un exercice, moi, l'exercice auquel vous êtes prêté, c'est un exercice d'autant plus difficile que moi je me suis jamais prêté à un tel exercice. Et nous, même comme parlementaires, on défend notre point de vue. On n'est jamais dans la situation de défendre le point de vue inverse de ce qu'éventuellement on souhaite. Donc c'est un exercice que moi je respecte profondément et que vous avez tous, toutes et tous, tenu avec brio. Donc bravo pour tout cela. Alors maintenant j'en viens à la décision. On avait deux décisions à annoncer, hein, c'est bien ça, un choix collectif et puis un choix individuel. Alors je commence par lequel ? L'individuel. Par ? Le meilleur orateur. Le meilleur orateur, d'accord. Donc je démarre d'abord par une distinction individuelle et ensuite on viendra au choix de l'équipe. Donc là, la décision du jury a été claire. Entre nous, et nous avons distingué comme meilleur orateur Samuel Cherquitard. Alors autant cette... Bravo à vous. Autant cette décision a été facile, on va dire, entre nous. Autant la deuxième, celle du choix collectif, a été plus compliquée, parce que nous étions partagés. Je pense que c'est pour ça que vous nous avez mis 5, pour éviter que le choix soit trop compliqué quand il était partagé. Donc il y a une décision qui a été prise, mais je veux le dire, elle a été partagée, et je veux redire ce qui a été dit dans le propos liminaire, c'est que il y a des victoires et des défaites, mais les deux construisent. Donc j'espère que les uns et les autres garderont un excellent souvenir de cette compétition, et en tout cas nos avis ont été tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre équipe, tantôt vers l'une, tantôt vers l'autre équipe, pour finalement prendre une décision qui a été de déclarer vainqueur l'équipe de Révolte-toi.
Ça passe par là, c'est vraiment plus.